Ariel Chenet, c'est un petit sorcier. Je ne vais pas rentrer dans quatre chemins. Ceux qui aiment Ariel Chenet, continuez de l'aimer. Moi, je ne peux pas vous empêcher d'aimer quelqu'un. Mais ce que moi, je pense, là, je vous dis ça. Ariel Chenet, c'est un serpent venimeux. Ariel Chenet, là, vous n'allez jamais le voir rire dans la rue, vous. Vous n'allez jamais le voir faire comme moi, Tiesco, donner 1000 francs à quelqu'un. Ou bien, Ariel Chenet rêvait de devenir ou d'être comme Didier. Ok, c'était son rêve, c'était son but. Aujourd'hui, Didier est mort, il pense que, et petit, 17 ans de carrière, c'est pas 17 jours, hein. 17 ans de règne, c'est pas 17 jours, hein. Petit, il sait que pour l'instant, tu te joues au sorcier. Tu es dans ton coin, tu parles pas. Mais il te dit que moi, tiens, que le sultan, il sera sur ta route. Le moindre faux pas que tu as fait dans couper de calé, là, il sait toi. Le moindre faux pas que tu vas faire dans couper de calé, ici est toi. Tu as parlé en bizarre de Daesh, ici est toi. Sachez que Ariel Chenet a mis dans son statut que non, un guerrier est tombé. C'est pas parce qu'un guerrier est tombé ou un guerrier est mort que la guerre est finie ou bien la bataille est finie. Un truc comme ça, il a mis en parabole. Que on doit le venger. Quand un guerrier tombe, on doit le venger. Petit Arafat n'a jamais été ton guerrier. Arafat, c'est ton papa, c'est ton roi du coupé décalé, c'est ton big boss. Donc, il faut savoir parler. Si tu veux, là, il faut dire, un roi est mort ou bien un roi est tombé, on va le défendre. Mais il ne faut jamais dire qu'un guerrier est tombé. Didier n'est jamais ton guerrier. Vous n'êtes jamais au même niveau. Et vous ne serez jamais au même niveau. Toi là, tu es un plagieur, tu voles musique des Nigériens, tu voles flow des Nigériens, et puis tu viens faire semblant d'en couper les calés. Moi, même si les gens disent qu'il ne vaut rien là, ma musique, je crée ça. C'est moi-même, j'écris mes chansons, c'est moi-même, j'inspire mes beats. Tu comprends un peu, non? Donc toi, Ariel Chenet, tu es un trafiquant, tu es un petit serpent. Quand tu te rappelles, quand tu as quitté chez Kedjevara, pour aller derrière Arafat, tu te rappelles? Même la clé de son studio, tu es parti et ça, tu ne lui as jamais dit au revoir. Tu as fui, tu es parti derrière Didier. Et tu savais ce que tu cherchais derrière Didier. Et ta trahison a fait mal à Didier. Très, très mal. Tu comprends? Moi, Tiesco, là, je n'ai jamais trahi Didier puisque je n'ai jamais marché à lui. Mais toi, Didier, t'as pris, t'as mis dans sa maison. Tu comprends? Quand tu dis mon papa, tu peux baiser femme de ton papa. Il n'a pas trop parlé. C'est qu'il a su, il n'a pas rêvé certaines choses. Mais c'est pour te dire. Que je suis sur ta route, petit. Je suis sur ta route. Si tu as fait un faux pas, fais ton petit coupé de gars tranquillement. Hein. Alors là, tu as Universal. Tu as. Comment on appelle ça? Sony Music derrière toi. Tu as les Trace TV derrière toi. Tu as les Mori, le Mora derrière toi. C'est tout ça qui te rend grand. Sinon, talent comme toi, là, c'est versé en tas d'un pays, là. Mais ça va, ils n'ont pas la chance. Tu comprends un peu, non? Donc, à partir de désormais, le rebelle, le prince de Poitiersco, le sultan, est sur ta route. Au moindre faux pas, tu vas payer très cher. C'est moi qui te dis ça. Donc, si tu es malin, comporte-toi bien. Fais ton petit coupé décalé, mais ne te joue pas au king. Ne fais pas comme si tu as pris le pouvoir, bien tu vas prendre le pouvoir. Faut pas faire ça même. Non. Faut te comporter correctement, comme les DJ Léo, comment on appelle ça c'est quand tu les artistes qui vivent leur carrière tranquillement. Mais championnat là, faut pas faire ça même, faut oublier ça. Voilà, sinon on doit remettre un trophée à quelqu'un là. Il y a Ivan Trésor qui est là. Ok? Voilà. Bon, maintenant j'ai fini avec Trace TV et Mori le Mola. J'avais fait un post sur First Magazine et un peu partout pour dire que moi, Tiesco là, si vous voulez fermer moi partout, c'est Dieu seul qui a la clé de mon destin. C'est Dieu lui seul qui a la clé de mon destin, la clé de ma vie, la clé de ma réussite. Ce n'est pas un être humain qui a ça. La clé de ma vie, là, la clé de ma réussite, là, la clé de mon destin, ce n'est pas un être humain qui a ça. Didier est mort, il a laissé tout l'argent, voiture, femme, enfant, tout, il est parti. Donc, c'est pour dire quoi? Nous tous sommes morts. Il ne faut pas que quelqu'un va me trafiquer dans ce milieu-là. Il ne faut pas que quelqu'un va me trafiquer pour dire non, qu'est-ce qu'il y a? Je ne suis pas dedans. Hein. Je ne suis pas dans ça. Hein. Toi, Mori le Mola, tu es un grand frère. Et puis, il te dit, à partir d'aujourd'hui, le respect, le manque de respect que tu m'as fait, moi, je t'ai appelé pour te tester. Et je t'ai enregistré, j'ai les conversations ici. Tu penses moi, je suis bête.
Je t'ai appelé, j'ai enregistré nos conversations. J'ai voulu voir dans ta gamme. J'ai voulu voir. Je me rappelle un jour devant le haut niveau discothèque. Il était en train de faire discours Didier. Et puis on a fini de régler le discours. Et puis on rentrait ensemble. Et puis tu es passé devant. Tu es venu. Et puis Didier me dit que non. Toi, tu fais pas là, ben moi. Alors que voilà moi qui bloque tes clips là. Que c'est lui là qui bloque tes clips. Et puis c'est moi, toi, tu fais discours tous les jours. Il dit, oh, laisse ça. Lui, il peut bloquer mes clips comment? Ja, c'est Didier qui avait raison. Mori, c'est Didier qui avait raison. Mais sache que tout se paye sur terre. Tout se paye ici bas. Tout se paye. Moi ici, il t'a appelé. Il t'a dit, ah le vieux, voilà la carte. En esprit là, la Chine n'est pas contente de toi. Même si Arafat c'est ton petit frère, tu as eu un discours à lui avant sa mort. Tu as eu à le frustrer, tu as eu à le... Tu as fait partie de ceux qui l'ont fermé dans beaucoup de choses. Faut parler avec la Chine, parle avec ses fans. Faut demander pardon. Le pardon n'a jamais tué qui que ce soit. Ah, mes petits frères, je vous demande pardon. Didier n'est plus là aujourd'hui, je ne peux pas lui demander pardon. Mais à vous, ses fans, je vous demande pardon. Si elle a fait quelque chose de mal, pardonnez-moi, excusez-moi. Repartons sur de nouvelles bases. Je suis votre grand frère. Ça là, c'est méchant, c'est un mauvais conseil ça. Toi, tu me dis non, toi, tu n'as pas de pardon à demander à quelqu'un. Voilà, toi, ce que tu sais, ce que tu as vécu à Didier, machin, les gens parlent. Mais les gens parlent là. Les réseaux sociaux là, on ne peut plus se passer de ça. Tout se passe là. Tu ne m'as pas écouté. Tu as dit non, il y a faux, toi, tu sais comment tu as géré ça. Maintenant, il t'a dit, et mon histoire de Trace TV là, c'est comment? C'est quelle bonne musique que moi, il ne fait pas. C'est quel bon clip que moi, il ne fait pas. Et puis, ces bâtards qui sont installés dans moi, mon pays, ne vont pas jouer moi, mon clip. Oh non, c'est une société privée, mais allez faire votre société privée ailleurs. Vous êtes obligé de faire votre société privée dans le pays des gens. Tu peux pas faire ta société privée dans le pays de quelqu'un, puis tu vas pas le respecter. Ce n'est pas une obligation. Ta société privée, tu peux aller la faire au Mali, au Sénégal, en Guinée, au Cameroun, au Tchad. Mais quand tu viens faire ta société privée dans le pays de quelqu'un, là, tu dois le respecter. Ok? Tu m'as dit non, que toi-même tu savais pas que moi mes clips passaient pas là-bas. Écoutez-moi! Mori le Mola me dit que lui ne savait pas que moi mes clips ne passent pas à Trace TV depuis 4 ans. Il dit il y a faux, il n'y a pas de drap le vieux. Donc qu'est-ce que tu peux faire? Mais la dernière fois, il parlait à Serge Benoît. Serge Benoît me dit, faut pas en vouloir à Mola. Faut pas en vouloir à Mola. Parce que Mori, depuis la mort de Doug Saga, il s'en veut de beaucoup de choses. Donc, tout ce qui concerne le coupé décalé, tout ce qui concerne la musique africaine et ivoirienne, il essaie de s'impliquer pour aider, pour. Parce que aujourd'hui, si Doug Saga n'est plus, c'est lui, il est là. Donc, en esprit, c'est comme ça que lui, il essaie de s'investir, il essaie de d'aider, c'est rentré ici, c'est sorti là-bas. J'ai dit à Serge Benoît, il n'y a pas de souci. Mais quand tu veux faire ce rôle-là, il faut assumer ça pleinement. Il ne va pas jusqu'au bout de ce qu'il dit. Ok? Donc, je demande à Mori, ah, c'est comment par rapport à mon histoire de traçant? Moi, il ne savait pas, machin. J'ai dit, ah, voilà, moi, il s'est allé dans le bureau de Nadège Toubiana pour demander pardon pour DJ Arafat. La vidéo est sur YouTube. Et puis, pour moi-même, c'est comment? C'est notre pays. Voilà. C'est tout cela qui donne gombo. Elle dit non, elle, machin, elle ne veut pas trop entendre parler de DJ Arafat parce que voilà, c'est lui-même, il se jette. Mais un mois, on verra. J'ai attendu un mois, 2 semaines, 3 semaines. Ils n'ont jamais joué. Tu comprends un peu? Il vient te voir, tu me dis la même chose que, ah, t'inquiète pas, je vais parler avec Nadège. Ça fait déjà 1 semaine, il te laisse, hein, il te regarde. J'avais fait une vidéo pour dire, ah, on ne veut pas voir Ariel Chenet jouer en live au Félicia. Je n'ai jamais interdit à Ariel Chenet d'aller au Félicia. Il a dit, on ne veut pas voir Ariel Chenet jouer en live au Félicia. C'est un rêve de Didier. Donc, nous tous, on a fait de son hommage. Si Ariel Chenet veut, il n'a qu'à venir chanter son hommage. Mais Félicia, là, lui, ne peut jamais chanter en live là-bas. Mola a pris son téléphone, il m'a appelé en même temps. Oui, j'ai appris que tu as fait vidéo sur Ariel Chenet. Faut laisser ça. Faut pas faire vidéo sur lui. C'est ton petit, tu le défends. Donc, moi, tu sais ce que là. Moi, c'est pas ton petit. Moi, c'est pas un être humain. Moi, c'est pas un être humain. Ou bien, moi, il fait pas sorcellerie aussi, ça coûte ça. Ou bien, moi, même Mougoupa aussi, ça coûte ça. Je suis pas ton petit frère, moi. Qu'on n'en faut pas faire vidéo sur Ariel Chenet. Voilà, voilà. Je lui ai expliqué ma raison. Je lui ai dit non. Voilà ce que j'ai dit. Voilà ce qu'elle dit. Il y a trop de gens qui doivent faire live ici, au Félicia. Il y a Debordon Likoufa. Il y a DJ Kejevara. Il y a DJ Mix. Ariel Chenet, lui, qui va passer par où et puis va venir faire concert live au Félicia. Je suis jamais d'accord avec ça. Je suis jamais allé à ça. C'est comme ça qu'on s'est laissé. Et puis on a reparlé encore de l'histoire de Trace. Que non, t'inquiète pas, moi mes enfants vont à Paris parce que tu sais très bien qu'ils sont à l'école à Paris. C'est la rentrée, je vais m'occuper d'abord de mes enfants. Et puis je te reviens sur cette histoire de Trace. Depuis, j'attends.
je t'ai appelé, tu ne réponds pas. Je t'ai envoyé un message, je t'ai dit, ah le vieux, moi il y a Jason. Moi il y a Jason, il n'a pas besoin d'eux. Je n'ai pas besoin d'eux, j'ai besoin de Dieu seulement. J'ai dit le frère non. Tu n'as pas répondu. Voilà pourquoi il fait la vidéo aujourd'hui. Si tu veux assumer ton rôle de grand frère, tu l'assumes jusqu'au bout, tu règles les problèmes. Si moi, tu sais ce qu'on ne doit pas passer à Trans TV, on me dit le pourquoi du comment. Basta. Mais on ne dit pas que non, parce que je n'ai pas envie que tu passes. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ici, là, c'est mon pays. Maintenant, il y a Foy. Moi, il y a tapé l'œil sur vos histoires de Trans TV, qu'est-ce qu'il y a. Mais plus jamais aussi, vous allez jouer ma musique. Parce que ce qu'il y a montré dans le pays, là, et c'est Dieu ce qui sait. Hein? Et puis, je vais travailler encore plus que ça. Ça va mousser. Je prophétise sur ma vie que ça va mousser sincèrement et violemment. Mais plus jamais vous allez jouer mes clips. Si vous n'êtes pas venu me demander pardon pour ce que vous m'avez fait et ce que vous faites à la musique ivoirienne, quand vous allez Trans TV, je parle de vous, hein, quand vous allez chez les Nigériens, vous avez tellement peur d'eux que vous créez les Trans Niger. Vous avez tellement peur des Congolais que vous créez les Trans Kitoko. Vous avez peur des gens que vous créez des Trans pour eux. Mais nous, la Côte d'Ivoire, nous, on ne vous fait pas peur. Il y a Foy, nous, on a Ivoire TV. Nous, on a Ivoire TV et puis on va faire ça. Tous ceux qui me suivent aujourd'hui là, partout où vous êtes, que ce soit à la maison, dehors, partout, imposez Ivoire TV. C'est la télévision de notre pays, c'est la télé nationale de musique ivoirienne. Trans TV là, leur mercon, leur babier. Moi, je ne veux plus jamais voir et mes clips et mes sons à Trans. Les trucs blancs de colonial, d'esclavage, je ne suis pas dedans. Les artistes qui veulent mousser là-bas là, ils n'ont qu'à mousser là-bas. Ils n'ont qu'à vivre ça. Que Dieu leur donne longue vie. Mais moi, tu sais ce que je ne vais plus jamais entendre mon nom dans l'histoire de Trans TV. C'est la première, la dernière fois que moi, je fais encore vidéo pour parler de Trans TV. Il y a Foy. Il n'y a pas à vous poursuivre. Il n'y a pas à aller jaser chez vous. Je vous laisse à Dieu. Vous, et puis votre mori le mola, je vous laisse à Dieu. Vivez votre Trans TV. Vivez votre vie de sorcellerie. Vivez. Mais moi, là, évitez-moi sur votre route. Si un jour, par malheur, Dieu a fait que ça a jaser pour moi, que vous êtes amusé à vouloir jouer ma musique, on s'est laissé. Si toi, Mori, tu as pris qu'aide un jour de me voir dans la rue pour me parler mal ou bien pour t'amuser à moi, tu apprendras. Et puis toi, petit chaîné, serpent venimeux, petit, il te suit de près. Donc voilà un peu le message que je voulais vous lancer aujourd'hui. Il n'y a pas trop duré. En tout cas, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse la musique ivoirienne. Arrêtez vos hypocrisies. Si vous aimez vos artistes, soutenez-les. C'est tout. Si vous aimez Arèche Chenet, dites-lui qu'il n'a qu'à connaître sa place. C'est tout. Voilà. C'est la famille. En tout cas, moi, il ne faut pas couper le calé, mais il y a ma bouche dans le couper le calé. Il a grandi dans le couper le calé. Et c'est le couper le calé qui est la musique numéro 1 en Côte d'Ivoire. Donc, si ça ne va pas, le rebelle doit jazzer dedans. Et puis, ça ne va pas quelque part. Voilà. Sur ce, je vous laisse. N'oubliez pas le concert de Claire Bailly, Palais de la Culture. Tous les discours sont réglés. Ceux qui sont à nous, on est à nous. On est à eux. Ceux qui sont pas à nous, on n'est pas à eux. Ceux qui s'amusent, on tient, on frappe. C'est ça que la vérité. Voilà. Qui n'aime pas ça? Le goût de ça, qui n'aime pas ça? C'est le clip qui déjà en ce moment, c'est sur YouTube, c'est de l'afrobeat. Hein? Donc allez télécharger ça. Merci beaucoup. Passez une très bonne journée. Que Dieu vous bénisse. Mes dons vont continuer. C'est un nouveau challenge. Si tu as 1000 francs que tu peux partager avec ton ami ou bien quelqu'un dans la rue, ou bien payer garba des gens, payer taxi de quelqu'un, fais-le. Ça va te faire du bien. Toi-même, tu as bien dormi. Ok? Voilà. On est ensemble. Bonne journée à vous. Et puis, Abouna Meite, merci à vous. Merci à tout mon groupe WhatsApp, tous ceux qui me soutiennent. Cisco Chamberlain, Madès, tout le monde. Et puis, les petits youtubeurs qui sautent là. Je ne suis pas dedans. Voilà. On est ensemble. Et le son seul, il arrive. Voilà. Au moment où j'avais besoin d'eux, ils m'ont tous tourné le dos. Moi, je suis seul. Oh, je suis seul. Oh. Mori, tu as compris, non? Voilà. Merci à Dieu. Il n'y a pas bien de quelqu'un. Tous les artistes qui moussent en France, là, ils passent pas à la télévision. Voilà, c'est Internet qui les fait. Donc, votre télé, radio, là, gardez ça pour vous, pour vos mamans. Bonne journée, au revoir.